Chez Conda, l'entreprise est dans la formulation chimique. C'est un groupe familial de 670 personnes, environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les métiers sont dans le domaine du tunnelier pour des produits de traitement de terrain, dans le domaine des lubrifiants industriels pour des domaines d'activité extrêmement variés qui peuvent aller du travail du fil métallique pour des pneus, aux filaments de lampe, aux fils électriques, etc., pour des forges, fonderies, verreries pour la découpe du verre ou des lubrifiants de maintenance également. La troisième activité, toujours dans la formulation chimique, mais cette fois-ci orientée cosmétique avec des marques en propre ou une entité de fabrication à façon pour d'autres marques. La politique de RSE dans l'entreprise, qui est récente, que l'on veut formaliser, elle vise d'abord à bouger notre modèle et à réintroduire finalement des notions de valeur, du pourquoi on fonctionne, au même titre qu'une dimension économique. Et faire en sorte de fonctionner avec plus d'éthique générale, que ce soit respect de l'environnement, respect des personnes, au même titre que la dimension économique. Parce qu'après, on va avoir une réflexion sur les produits, la manière dont ils sont conçus, plutôt chez Conda de manière très poussée, parce que pour une part, on est dans le domaine pétrolier. Donc il y a des réflexions à conduire qui s'appellent l'éco-conception pour revoir le cycle de vie du produit. C'est un badgeage des produits, c'est compliqué chez nous parce que les produits ne sont pas ou que végétaux ou que produits pétroliers, c'est des mélanges. Et puis il y a d'autres dimensions comme les achats responsables. C'est un point déterminant pour nous, le volume d'achat que l'on a. Donc c'est un travail qu'on engage aussi avec nos différents fournisseurs, mais sur lequel on veut y mettre des éléments de discussion autour de la partie RSE. C'est vraiment les deux points clés de notre engagement RSE, cette dimension de réflexion. Les grands groupes doivent donner un exemple au titre de leur taille. Maintenant, notre conviction au sein de l'entreprise, c'est qu'on a notre rôle à jouer. Ce n'est pas que l'apanage des grands groupes.